Bonjour tout le monde, pour cette première vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer deux tours de magie. Deuxième c'est, je sais pas si ça, trois tours même. Il y en a deux, je sais pas si ça va bien rendre. Je sais bien le faire, mais je sais pas si ça va bien le faire sur ma tablette. Donc c'est parti. Déjà le premier, c'est avec l'oreille. En fait, c'est pour faire rentrer mon pouce dans mon oreille. Là, vous voyez, j'ai aucun trou dans mon oreille, j'ai rien. Hop, derrière. C'est une vraie oreille. Ça, c'est mon vrai pouce. Voilà. Sans se voir. Donc, c'est parti. Vous prenez votre oreille, vous la tournez, vous attrapez ce côté-là, et voilà. Et là, je l'ai mal fait. Regardez, ça fait un trou dans mon oreille. Et là, si je lâche, voilà. Le deuxième, je sais pas si ça va marcher. Faut faire ça. Après ça, avec votre doigt, vous faites comme ça. Votre doigt comme ça. Et voilà. Voilà. Pour le dernier, lui, tout le monde sait le faire, pas besoin d'explication. Vous faites ça. Vous attrapez votre doigt comme ça. Là, mon doigt, il est là. Et voilà. Aussi, je peux faire comme ça. Hop, je vais passer. Et hop. Et un dernier. Vous allez fermer vos yeux quand je vais vous dire de fermer vos yeux. Donc, c'est pas vraiment un tour de magie, mais vous pouvez le faire à vos amis. En fait, vous faites comme ça là. Après, vous passez vraiment comme ça, vous faites comme ça. Vous descendez vos deux pouces. Après, vous les dites de bien regarder vos pouces. Donc, au moment où il va regarder vos pouces, vous allez faire ça. Après, vous allez venir faire ça. Et hop. Donc, lui, il ne va pas savoir. Après, tu vas lui dire que c'est bon. Là, il va regarder et là, tu vas faire ça. Du coup, là, tu peux tourner. Alors que si on regarde comme je vous ai dit tout à l'heure, comme ça, hop, hop. Et que là, si tu mets tes doigts comme ça, c'est logique que tu peux pas tourner parce que sinon, ça te fait mal. Donc, tu peux pas tourner. Alors que comme ça, là, tu peux tourner comme tu veux sans que ça te fasse mal. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Et ciao. Et aussi d'ailleurs, bientôt je vais faire une vidéo avec des canettes. C'est pas une dégustation cette fois. Pas comme avant. Ce sera une vidéo où je vais. En gros, je vais prendre plusieurs canettes. Je vais les mélanger. Je vais mélanger genre par exemple du Fanta, du Coca et tout dans un verre et je vais goûter et ça sera ça. En même temps je pourrais aussi faire une petite dégustation après. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et